fantastique. C'est vrai que dans le reste du pays, il fait froid. Het is juist dat in de rest van het land dat het koud is, dat het fris is. Maar hier in Bredene is het heet, is het zeer warm. Ici à Bredene, c'est, il fait chaud. C'est vraiment la bonne atmosphère. Alors, bien sûr, vous attendez plus, tous, à savoir s'il y a plus de monde que l'année passée. Eh bien, c'est très simple, il y a plus de monde que l'année passée. Jullie wachten allemaal om te weten of het er meer volk is dan vorig jaar. Het is heel eenvoudig, er is meer volk dan vorig jaar. Mais surtout, la fête n'est pas encore terminée. Je précède des orateurs exceptionnels. Het feest is nog niet gedaan. Ik heb het plezier om u aan te kondigen dat er nog fantastische sprekers hier het podium gaan nemen. Natuurlijk Alain Clouwart van het ABV, Marie-Hélène Ska van het ACV, Mariela Castro uit Cuba, Lizardo Suarez uit Spanje en natuurlijk Peter Mertens. Il y a encore, bien sûr, Alain Clouwart de la FGTB, Marie-Hélène Ska de la CSC, Mariela Castro de Cuba, Lizardo Suarez de l'Espagne et bien sûr le président du PTB, Peter Mertens. De toute façon, je vous souhaite une bonne continuation de la fête. Écoutez bien, ça sera très intéressant. Et amusez-vous bien pour le reste de la journée. In elk geval, luister goed naar de sprekers. Het zal zeer interessant zijn. Ze hebben veel te vertellen. Amuseer je nog goed voor de rest van het feest. En tot vanavond, tot in de late uurtjes. Dank u. Dankjewel, Itzemeers. We wensen jou hetzelfde. Place à la socioloog de la KUN. Specialist in de werkstelling vorming en onderwijs. En sinds november 2009 nationaal secretaris. Meer bepaald leiding over de sociale zekerheid. Secrétaire national ACV-CSC. Mesdames, messieurs, accueillez-la chaleureusement, Marie-Hélène Ska. Bonjour à tous et à toutes, dans le mal. 759,4 milliards d'euros. 759,4 milliards d'euros, voilà le patrimoine financier net des Belges tel qu'il a été recensé par la Banque nationale en fin 2011. Si on élargit ce chiffre à l'immobilier, aux maisons des uns et des autres, la richesse moyenne du Belge est de 169 000 euros. Je parle de la richesse moyenne de chacun d'entre nous. 169 000 euros, c'est le double de ce qu'était la richesse moyenne de chaque Belge en 1997. En 14 ans, la richesse moyenne a doublé. Fin 2011, le gouvernement Di Rupo a annoncé 11 milliards d'économies à réaliser en 2012. 11 milliards, c'est une fois et demie le budget de l'ensemble de l'enseignement en communauté française. Ça vous donne un ordre de grandeur des efforts qu'il a fallu réaliser et que nous sommes, nous, vous et nous, en train de réaliser. Pendant ce temps, pendant que la richesse continue à augmenter, pendant que des économies sont en train d'être faites par les salariés et les allocataires sociaux, la spéculation continue. Les plus-values réalisées par les particuliers ne sont toujours pas taxées aujourd'hui en Belgique. Nous sommes en 2012. 40 managers d'AB InBev ont reçu en 2011 des bonus pour un montant d'un milliard d'euros. 40 personnes en ont perçu en 2011 10% de l'ensemble de l'effort budgétaire qu'il y avait à faire sur une année en Belgique. Bernard Arnault, dont on parle beaucoup ces derniers jours, ne gagne, excusez du peu, que 1,7 million d'euros par an. Mais il
peut aussi compter sur 2,7 millions d'euros de rémunération variable. Et ce n'est pas fini. Et sur 6,3 millions de valorisation d'actions ou de stock options. Son salaire fixe ne représente donc même pas 20% de ce qu'il gagne finalement. Pourquoi donc s'acharner sur les salaires? Cela choque, cela vous choque je l'espère, cela nous choque et cela me choque en particulier. Mais il paraît que c'est la logique du privé, que dans un marché globalisé, chacun est rémunéré selon sa valeur et selon son mérite individuel. À la CSC, on dénonce depuis des années le fait que la part des salaires dans la valeur ajoutée diminue. Le fait que la part des salaires dans la valeur ajoutée diminue, c'est un signe fort de la montée en puissance du capital par rapport au travail. Sur base de ces constats, il faut se poser quelques questions. Qui a peur aujourd'hui d'un cadastre des fortunes? Qui ne veut pas aujourd'hui d'une taxation sur les transactions financières? Qui a peur d'une globalisation des revenus et d'une taxation de l'ensemble des revenus? Pas moi, pas vous, je l'espère. Qui profite honteusement du système des intérêts notionnels? Pas moi, pas vous. Qui refuse de supprimer le secret bancaire? Pas vous, ni moi. La semaine prochaine, le 30 septembre, nous serons à Bruxelles à l'appel des associations de lutte contre la pauvreté pour exiger que les pensionnés, les invalides, les chômeurs aient leur dû. Une partie de leur dû, à savoir une liaison de leurs allocations au niveau de vie des actifs. Le coût pour 2013 de cette augmentation est chiffré à 286 millions d'euros, dont 40% ont été confisqués par le gouvernement. 40% de ce qui doit revenir aux chômeurs, aux invalides et aux pensionnés servira donc à diminuer la dette de l'État. Et même ces 60% aujourd'hui sont remis en question par un patronat de plus en plus arrogant qui ne sont pas d'accord que l'on distribue des cadeaux à ces allocataires sociaux. Quelques chiffres encore. 785 euros par mois. Non pas en millions ni en milliers, mais bien 785 euros par mois. Voilà ce que gagne aujourd'hui un isolé au chômage. Vous avez dit vivre dignement. Combien d'enfants vivent aujourd'hui dans une famille où le risque de pauvreté est élevé? En Belgique, ce chiffre est de 18,5%, soit près d'un enfant sur cinq. Une politique juste, c'est une politique qui fait en sorte que chacun contribue selon ses moyens, pas selon ses envies. Je paye des impôts parce que cela contribue à financer la collectivité, pas parce que j'ai envie de les payer ou pas envie de les payer. Nous devons poursuivre les dénonciations de ces injustices, des différences qu'il y a entre le traitement qui est fait à un chômeur, un invalide, un pensionné, un travailleur ou à des exilés fiscaux. Nous devons dénoncer ces injustices, mais nous devons aller plus loin. Nous devons montrer que d'autres choix sont possibles. Et pour la CSC, la voie, elle est claire. Il faut nous battre réellement contre la fraude fiscale. Il faut en finir avec le secret bancaire. Il faut instaurer un impôt juste sur les plus-values et sur les actions. Il faut remettre sur le tapis la question de la progressivité de l'impôt pour les plus riches. Aujourd'hui, un ouvrier qui travaille à temps plein paye des cotisations à hauteur de 42%. Bernard Arnault, qui gagne 1,5 million, ne paye pas 42% d'impôts. D'urgence, nous devons avancer vers une révision des déductions fiscales et revoir l'impact des intérêts notionnels sur l'économie réelle. Nous devons aussi nous battre au niveau européen contre le dumping fiscal. Je sors d'un atelier sur la fiscalité où on nous dit simplement que l'Allemagne fait mieux que nous, que la France fait mieux que nous, que la Hollande fait mieux que nous. Nous pouvons aussi dire que les Chinois ou les Indiens font mieux que nous, mais on ne sait pas où ça s'arrêtera. Nous devons aussi nous battre au niveau européen pour l'instauration d'une taxe sur les transactions financières et lutter activement pour un renforcement de la transparence financière. Enfin, dotons nos administrations fiscales et judiciaires de moyens du 21e siècle
et plus de bouliers compteurs pour permettre à chacun d'être égal devant la loi. Tout ceci, chers amis, ce n'est pas un rêve. Mais si nous nous mettons